Saint-Nicolas de la Liberté. Nous avons avec nous Guillaume Desliens de l'équipe de hockey Manitoba Moose. Et nous avons quelques questions pour lui. Alors voilà, tu es récemment de retour ici à Winnipeg. Quels sont tes sentiments avec ça? Non, je suis content d'être revenu. Ça fait 2 ans que j'ai joué ici. Puis c'est bon de revoir tout le monde que j'ai côtoyé les dernières années. Fait que je suis excité de revenir au jeu. Ça fait 6 semaines que j'étais blessé, que j'avais pas eu la chance de jouer. Fait que je suis content d'être ici et finalement avoir la chance de jouer. Et votre santé là, ça va bien? Oui, là, j'étais à 100% puis je suis prêt à revenir. Parfait. Alors, évidemment, tu as joué avec beaucoup d'équipes pendant votre carrière. Quelles sont les composantes d'une équipe gagnante? Il y a beaucoup de choses. Ça prend peut-être beaucoup de profondeur, autant à la défense qu'à l'attaque. Ça prend un excellent gardien de but qui devient hot d'un bon temps. Puis aussi, ben, c'est beaucoup de la chance. Les blessures d'un club international, s'ils rappellent beaucoup de joueurs de notre équipe, ben, c'est sûr que ça affecte un petit peu notre line-up. Mais c'est beaucoup de petites choses qui viennent en même temps. C'est que le timing, il faut que le timing soit très bon. Alors, justement, il y a beaucoup de joueurs qui vont et viennent, ils vont de la Ligue nationale, ils reviennent. Ça change beaucoup, j'imagine, les dynamiques d'une équipe. Comment est-ce que ça affecte une équipe? C'est sûr que ça affecte beaucoup, sauf que c'est en même temps de perdre des joueurs, c'est une occasion pour d'autres joueurs qui jouent peut-être pas autant d'avoir une chance de jouer un petit peu plus. Puis souvent, tu découvres des joueurs que tu n'aurais pas eu la chance parce qu'il n'y avait pas le temps de glace qui avait nécessaire pour se développer. Fait que souvent, c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe, mais c'est une bonne nouvelle pour d'autres jeunes joueurs qui essaient de performer. Alors, on est à peu près à mi-saison là en ce moment. Quels sont tes buts personnels pour le reste de la saison? Premièrement, en ce moment, je veux juste reprendre la forme, revenir au jeu. Comme j'ai dit, ça fait 6 semaines que je ne joue pas. Fait que je veux juste reprendre la forme pour revenir au jeu. Après ça, c'est sûr qu'ici, les gars, l'équipe a eu beaucoup de blessés. Puis je veux les aider à peut-être performer et avoir des victoires. Puis après Noël, commencer la deuxième partie de la saison du bon pied et essayer de se rendre le plus loin possible dans les séries. Et finalement, c'est le mi-décembre. Le Père Noël, il va venir bientôt. Qu'est-ce que vous vouliez pour Noël? Ah, oui. C'est une bonne question. J'avais pas fait vraiment de liste cette année, là, mais je sais que ma copine, je pense que j'ai deviné ce qu'elle m'a eu. Je pense qu'elle m'a eu une coupe de cravate et des paires de bas. J'aime ça m'habiller pour les matchs. Fait que, je pense que j'ai comme deviné un peu son cadeau sans le voir, mais je pense que c'est un petit peu ça que je vais recevoir. Parfait. Je vous remercie.